skiff et la tempête. La journée est presque terminée sur l'île de Chicalore et une tempête s'annonce. Du coup, tout le monde essaie de rentrer à la maison le plus vite possible. Tous les gens veulent s'assurer que leurs proches, leur maison et eux-mêmes seront en sécurité quand la tempête arrivera. Les côtes sont les zones les plus exposées dans ces cas-là. C'est là que la tempête risque de faire le plus de dégâts. Skiff et Capitaine Joe patrouillent dans le port de Calembourg pour vérifier que tout est bien sécurisé. Non ! Reviens ! Cet homme a besoin d'aide, Capitaine Joe. Prends une de mes rames pour l'attraper. Bonne idée. Merci. Merci, Joe. Je suis étonné de te voir dehors par ce temps, Skiff. Capitaine Joe et moi, on aide les gens à se préparer pour la tempête qui arrive. C'est très gentil de votre part, mais tu devrais rentrer chez toi. Je t'exhorte. Tous les autres bateaux sont en train de s'abriter dans le port. J'irai quand on aura rapporté cette pancarte. Mais on doit s'assurer que les gens sont bien à l'abri avant. Et puis d'ailleurs, Oliver et toi, vous êtes dehors. Oui, mais nous sommes beaucoup plus gros et plus costauds que toi, Skiff. C'est vrai. On n'a rien d'un léger petit voilier. Et on a encore du travail, nous. On doit faire plusieurs tournées avant de rentrer dans nos boxes. Sois prudent, petit bateau. Ne fais pas cette tête. S'ils t'ont dit ça, c'est juste parce qu'ils s'inquiètent pour toi, j'en suis sûr. J'admets que je ne suis qu'un petit bateau, mais en attendant la tempête, j'ai aidé beaucoup de gens. Ça, je confirme. Et maintenant, on va te mettre à l'abri avec les autres. Ah, ce serait dommage que tu t'envoles à cause du vent. Oh, rien ne me ferait plus peur. Oh, Joe, vous êtes là. Je me fais du souci pour le bateau pirate. Moi aussi. On va aller l'inspecter depuis le haut du phare. Les vents sont de plus en plus forts et on a intérêt à s'assurer que tout va bien. De leur côté, Montaigu et Oliver travaillent sans relâche, transportant un maximum de gens. Ça y est, tu as terminé ? Oui, presque. Encore un aller-retour jusqu'à Titmouse et j'arrête. Comme moi, je fais un arrêt à Calembourg et je rentre. Pourvu qu'on soit tous les deux dans nos box quand la tempête éclatera. Espérons-le ! La tempête tant redoutée finit par se déchaîner. Skiff fait de son mieux pour résister au vent. Et c'est la catastrophe. Oh non ! Ma voile ! C'est détaché ! Joe ! Oh zut, il ne m'entend pas ! Oh, c'est pas grave, Skiff. Pas de panique. Tout va bien finir par s'arranger. Ballotté par les vents, le pauvre Skiff se sent impuissant face à la violence de la tempête. Joe ! Où es-tu, Joe ? Réponds ! Les locomotives avaient raison. Je ne suis malheureusement qu'un petit bateau. Et j'ai peur ! Et c'est à nouveau la catastrophe. Montaigu a enfin fini de travailler et il fait demi-tour pour retourner à Titmouse.
mais il ne sait pas qu'un arbre est tombé sur la voie, lui bloquant le passage. Tout comme Oliver, qui rentre à son hangar en compagnie de Toad, dans le sens opposé. Oh, je n'y vois pas grand-chose avec toute cette pluie. J'ai hâte d'être chez moi au sec. Oh, vite! Le vent est de plus en plus fort, monsieur Oliver. Sois patient, Toad. On n'est pas loin. Oh, allez, courage! C'est tout prêt. Oh, je suis trop bête. Qui va venir jusqu'ici et me sauver avec ce temps? Oh non, c'est Montaigu qui siffle. Il sera là dans une minute. Il va s'encastrer dans l'arbre. C'est encore pire que ça. Oh, il va me heurter. Moi! Montaigu! Hélas, les paroles de Skiff sont emportées par le vent. Oh non, non, il ne m'entend pas. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Oh, ma voile! Si j'arrive à libérer ma voile, alors peut-être que je pourrais leur faire un signe. Ah, mais j'entends quelqu'un d'autre siffler. Oh, c'est forcément Oliver! Je dois me lever. Stop. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi ce qui se passe. C'est toi, non? Mais qu'est-ce que tu fais? Ma voile s'est déployée, la corde de mon ancre s'est rompue et le vent m'a poussé sur la voie jusqu'ici. Heureusement pour nous, en tout cas. Sans ton intervention, on se serait fracassé contre cet arbre. Oh, j'ai eu tellement peur. Je ne savais pas comment vous prévenir parce que ma voile était coincée sous moi. Et puis en me tortillant, j'ai enfin réussi à me lever. Tu nous as sauvés, Skiff! Tu es le petit bâton le plus courageux que j'ai jamais connu. Tu es un héros. Merci beaucoup, Skiff. On n'oubliera jamais cette nuit. Le lendemain matin, la tempête n'est plus qu'un mauvais souvenir. Même si les locomotives sont déjà au travail pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Oh, ma parole, Skiff. Tu as empêché un terrible accident de se produire. Oh. Heureusement que ma corde s'est rompue, monsieur. Oh, ça ne change rien au fait que tu es un héros. Toad, Oliver et Montaigu trouvent que tu mérites une récompense. Une récompense? Vraiment? Oh oui! Absolument! Et je suis d'accord. Tu es le petit bateau le plus courageux qui ait jamais voyagé sur mer. Ou sur terre. Ou les deux. Acclamons notre ami. Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff, hurrah!